même prêt à arriver s'en aller dans désarmement et il y a qu'à regarder tout comment capable tout considérer avec à causer désarmement sérieusement tout bon côté monsieur village avec monsieur et grand ravigno en gros nous capable dit que si ça approche dans CNDDR là il confie avec journal le nouveliste que monsieur grand ravigno avec village de dieu yo font petit campé dans causer et grève en causer gang armé dans causer kidnapping il y a commettre sous ensemble de monde dans société. Rapidement, gagnant Dr. Pierre Reginald Boulos, un responsable du mouvement 3e voie, MTV Haïti, qui lui-même réagit à l'état des nouvelles, ça, côté qui s'est écrit sur le code Twitter, dit, n'a l'île Jean que l'y écrit là. Les pouvoirs attendent OEA, organisation état américain, après entrer en pays, patron G9, gagnant en juin trêve, et puis mettez kidnapping dans sous pause. Nous voulons pose ça, dirait net. Jovenel Moïse a prouvé kidnapping dans politique vraiment dénoncer association immorale pouvoir avec gangio. Opposition a doué solidaire pour jouer départ président de facto à qui c'est Jovenel Moïse. N'a toujours été pour une capable parler de causer ça. Côté si Monsieur Village de Dieu ensemble avec Monsieur Gravigno décide eux-mêmes font trêve dans causer et kidnapping qui a passé qui a fait un pays là. Mais c'est 400 maos eux-mêmes, ils pas entendre fait trêve eux-mêmes. Mais Monsieur pendant week-end la sorti samedi pour l'ouvrir dimanche et ayea yo touye inspecteur police qui c'est Gabo Désiré inspecteur divisionnaire Gabo Désiré mais lui tombé en baba la plusieurs bandits qui l'a accusé monsieur 400 maozeo qui t'a des actions ça dans la nuit samedi qui était 8 mai pour l'ouvrir et dimanche 9 mai dans zone la Tremblay 12 dans commune Croix des Bouquets selon information qu'une capable faire confiance inspecteur Désiré Gabo lui-même était sous volant machine ni côté un groupe nèg ami t'a essayé pour faire si kidnapper lui aller avec lui ben inspecteur lui-même qui t'a riposté mais dans échange que balle avec bandio gagnant deux bandits qui t'a semblé recevoir balle et semblé une là dedans un t'a mouri mais ben policier inspecteur lui-même bandit te lever coup sous lui qui rend soufflé mais la police dans commune Croix des Bouquets qui t'est intervenu par la suite qui t'a récupéré et corps inspecteur divisionnaire Gabo Désiré pour nous dire bien mais ce 400 maozeo même nous connaît après gros sac kidnapping ont été fait sur religieux Jésus laïcio et nous changer tout sac kidnapping ont été fait sur trois jeunes qui sont sortis carobasio il y a encore mais ce 400 maozeo qui a opéré dans commune Croix des Bouquets malgré la police les mêmes t'es déjà dit il a mené une grosse opération pour aider les messieurs sérieux mais jusqu'à présent mais ce 400 maozeo était puissant dans un bon parti dans commune en Croix des Bouquets. Réaction sous décision Bandi Gravin avec Village de Dieu qui a annoncé au point pause d'activité kidnapping. Nous prenons ensemble avec Yon porte-parole tête ensemble. Non, Dr. Chilel Ludo qui t'a réagi sous dossier ça. Dr. Chilel Ludo fait connaître ça. Prouver encore ses pouvoirs. Jovenel Moïse là qui a contrôle gang Yon payant. Porte-parole tête ensemble a révélé gagnant une rencontre qui était réalisée entre PHTK gang Yon pour demander Yon pause sur kidnapping pour capable réaliser référendum avec élection yo qui t'a supposé fait année ça chez les Ludo bah plusieurs exemples qui pouvait c'est président Jovenel Moïse qui s'est patron kidnappé dans payant en côté chez les Ludo me considérer en imaginer monsieur dit c'est opposition et monsieur on y a un bois le zombie important qu'on y a Jovenel t'a joint des de honnête manes lui chez les Ludo à haut don bien aimé zamin syria capra bon plan on capre Nenel Kassi, on capre n'importe qui moun, on capre André Michel, on capre n'importe qui la Belle des Collines, Gagné, on capre Douje, n'importe qui moun. Monsieur Tajouen, nous faisons contravention. M'pap l'on menon nous à l'autre bagarre. On ne pas dire ça, nous trop nobles. M'pap même pour exemple de bail lettre comme ça à non nous. Nous trop nobles pour m'appeler dire Tajouen, nous nanana. M'pap répéter à d'autres comme ça à non nek sa yo que m'cite là. Nek sont trop sérieux pour m'mette non yo. Je ne pas même jouer nous faut contravention. Je venais d'après les tout presse qui gagne sous la tête. Tout le monde en moi, mais yo, mais ça me tape dire. On contravention, on ne va pas aller plus loin. Là, l'éclair pour le monde qui attend de nous là, opposition ça nous gagne là, c'est opposition respecter tête li, que profiter ça, mais tout le monde en opposition, tout le monde, ouais, question de politique, nous sommes parlé là. Je venais. Est-ce que c'est nous, yo te prend madame nous, dans opposition, nous t'as le prend madame nous, village de Dieu?
C'est pas nous, non, c'est Dimitri Erawi. Est-ce que c'est yon moun nan opposition, yon te kidnappé moun, yon ta loué mettre liba instance concernée? C'est nous qui sommes les instances concernées. Nous avions été, nous n'avions jamais été et des instances concernées. C'est pas nous, yon ta loué mettre li. C'est instance concernée, c'est Magali habitant. 5h55. Gagné un porte-parole en après PNH là qui annonçait la Marie-Michel Verrier qui annonçait PNH là signé plusieurs protocoles accords avec divers partenaires internationaux parmi eux Colombie, États-Unis et Canada. Si à type protocole accord ça a visé renforcer capacité PNH là d'après Marie-Michel Verrier qui fait qu'on est la police colombienne a pas travaillé avec policiers dans DCPJ sous lit contre kidnapping non. États-Unis a pas pris en charge garde-côte haïtien, 117 techniciens qui déjà formés en mécanique automobile dans l'espace en trois l'année dans le cadre de protocole à COSA. En côté porte-parole, en après PNH, la Marie-Michel Verrier, dans le micro, José Bellamour. Dans le souci pour renforcer la capacité opérationnelle PNH, il y a plusieurs partenaires internationaux qui signent un protocole d'accord avec la police nationale d'Haïti. C'est pour capable rendre la police là plus efficace en matière préventive et répressive. C'est comme ça. Nous gagnons pour garde-côte les États-Unis qui sont en protocole d'accord côté de la prise en charge de garde-côte haïtienne. En matière de lutte contre le kidnapping, nous gagnons expertise police colombienne qui travaille avec CCE dans le DCPJ. Pour formation continue, cadre supérieur et intermédiaire dans la police, là, le Canada qui prend ça en charge. Toujours dans même l'idée ça, gagne une cérémonie de graduation qui était faite dans l'académie, c'était la date 29 avril 2021, grâce à support gouvernement américain, gagne 117 techniciens qui se prend diplôme en mécanique automobile. Te gagne un pile problème dans la police là, le prêter réparer un véhicule. Technicien ça se passé 3 ans pour être ta prendre formation pour capable venir de bons gens mécaniciens qui pour réparer tout véhicule qui gagne dans la police. Alors, pas automobile, la police là, pour qu'on y a, il y a une équipe capable de suivre. Nous avons toujours été ensemble avec porte-parole PNH là, 11 âmes saisies, 115 âmes mon joint arrestation yo, parmi eux 10 évadés prison pour divers chefs d'accusation tant que tentative kidnapping, assassinat, détournement minier, association malfaiteur, détention illégale d'âmes. C'est bilan intervention la police fait sortir 1er mai pour arriver 5 mai qui saute passé à là d'après porte-parole après PNH là, Marie-Michel Verrier qui était dans micro José Bellamour. Il y a quelques interventions policières qui étaient faites pendant intervention ça yo. La police rivé arrêté 115 monde. C'est un bilan partiel qui établit sous période 1er avril pour rivé 5 mai. Arrestation ça a été faite pour tentative kidnapping, pour meurtre, pour simulation kidnapping, pour viol, détournement mineur, association de malfaiteurs, détention d'armes. Ensuite, on a eu 10 évadés que nous rivé capturé et nous rivé récupéré 11 âmes. Dans la date 1er mai 2021, il y a un policier Clifford Loror qui a rejoint l'arrestation pour présumer implication dans l'assassinat ménage. Alors la police a questionné lui pour connaître est-ce qu'il est impliqué dans ce qui s'est passé. Et ensuite, l'inspection générale pour faire suivi. Pour ce qui est pour avec le dossier kidnapping, la police nationale a constaté il y a 3 modes de kidnapping qui ont développé dans la société noire. Il y a un mode de kidnapping côté que yo séquestré moun nan. Ensuite, ravisseur yo mande gros somme l'argent pour libérer moun sa. Il y a une autre forme qui c'est auto-kidnapping côté moun nan lui-même, li serré tête li et puis l'entendre avec l'autre ami pour faire mander gros somme l'argent pour libérer. Après ça, il paraît tête lui, il fait comprendre qu'il était kidnappé. Il y a kidnapping virtuel côté moun sa pas ni séquestré, ni pas caché tête lui. Mais il fait comprendre ni gon moun nan men li et puis il mande l'argent yon montant qu'il pensait que ou capable joine facilement et puis il mande somme ça en échange de libération moun sa et pourtant pas du tout li pa gen personne nan men. Alors PNH la pa tire attention tout moun quel que soit moun qui contacte ou nan téléphone qui mande ou l'argent pour capable joine libération famille ou pas négocier personnellement avec moun sa. Allez nan DCPJ rele nan 122 pour la police lui-même capable d'accompagner ou et n'a pas rappelé pour quel que soit le kidnapping nan, c'est famille moun nan qui capable bay autorisation pour faire intervention pour lui. Et n'a pas demandé tout le monde venez dans 122 collaborer avec la police en cas de kidnapping pas barrer route s'il vous plaît
Les nous barrer route, nous rendons cas la police plus difficile. 6 heures. Nous avons toujours été avec Marie-Michel Verrier, qui lui-même a fait connaître au commandement PNH, a rencontré à certains membres SPNH 17. En compte, ça a été basé sur le comportement membres SPNH sur qu'on affiché, estimé qui pas correct. Au commandement PNH, l'a demandé pour membres SPNH sur ressaisir, d'après Marie-Michel Verrier, qui fait qu'on est IGPNH, a recommencé travail sur dossier enquête qui l'ouvrit sous certains policiers. L'autre bord, inspectrice divisionnaire, a demandé membres SPNH 17, qui a avis recherche derrière, puis pour à l'entête dans des CPJ. On a annoncé au commandement PNH central prend toute disposition pour mander policiers qui est en détachement yo pour égayer poste pour capable de faire poste affection yo affectation pour nous dire bien à cause de la police manque bras d'après ça dit. On écoute Marie-Michel Verrier toujours dans le micro José Bellamont. Directeur général police nationale d'Haïti a rencontré semaine ça responsable SPNH 17 gen la dayo qui était là. C'est un membre adhérent qui était présent tout dans la rencontre là. La rencontre ça a été faite pour être capable de parler avec les policiers ça. C'est vrai, nous comprenons qu'il y a fait des réclamations qui sont justes, mais il y a une façon pour ça faire. Alors au commandement, tu parler avec eux, tu fais eux comprendre, raison pour eux, ressaisir. Parce que lorsque c'est policier, il y a une façon pour agir. Policier qui a un dossier qui l'ouvre déjà à l'inspection générale, dossier ça va continuer. Pour ce même temps, vous commencez à retendre et l'inspection générale lui-même pour fixer les responsabilités. Et pour ça qui est pour avec la vidéo recherche et le mandat qui est lancé à DCPJ, vous même vous pour y aller de CPJ pour être capable de clarifier la situation. Et de CPJ pour y aller rendre tête et de CPJ à continuer le travail sur le dossier. Vous avez un policier qui est placé en détachement. Pour qu'on y aille là, vous commandez à prendre décision pour le faire policier ça, regagner poste affectation. Parce que nous manquons bras, nous avons besoin de monde qui peut travailler. C'est pour raison ça, bientôt, tout policier qui est placé en détachement, il y a une décision qui peut prendre pour gagner poste. A toujours été avec recommandement PNH là qu'une capable lit sur compte Facebook la police d'après Nantexa. Côté audit direction générale police nationale d'Haïti a li pote certaines clarifications pour dire que yo pas entendre engager aucune discussion, aucune forme de négociation avec quiconque organisation syndicale, situation policier, ancien policier qui en contravention avec la loi. Toutefois, recommandement PNH là lui-même fait qu'on est façon informelle qui était en qui a la direction générale là, il y a un groupe policier donc qui a un problème chèque salaire yo qui était dans le recommandement PNH là selon des motifs qui différents motifs que problème qui posait par rapport avec un chèque policier ça yo. Pendant rencontre ça yo fait appel avec puis lancer ça relé mandé avec policier qui gavi recherche des yo qui impliqué dans ensemble de infractions par coup destruction bien public à cas privé assassinat et ça n'est encore trouble l'ordre public. C'est ça que eux-mêmes ont dit, mais c'est central police judiciaire des CPJ fait qu'on est là. Parallèlement, inspection générale la même police nationale d'Haïti continue enquêter, à auditionner, à attendre tout agent qui t'a suspect non ensemble de vie action quoi agissement qui fait dans la ria chaque fois au fond ensemble des actions, surtout monsieur qui était sur fantôme 509 yo. C'est ça nous capable lire sous compte Facebook page la police à travers que ça sous rencontre qui a parlé qui fait entre recommandement PNH là avec SPNH 17 ou bien l'autre entité qui eux-mêmes qui a fait passer revendication policier en dedans institution si là 6h05. Pardon, nous parler de entité dans institution. Nous parlons avec porte-parole SPNH 17, la Domosensi, qui démentit porte-parole PNH qui fait qu'on est au commandement. Je t'ai parlé avec SPNH 17. Domosensi précisé que responsable PNH a été rencontré plusieurs policiers. Parmi eux, certains policiers syndiqués, chèques ont été bloqués. Suite à que rencontre ça, policiers ont été rejoints chèques. Porte-parole SPNH 17 a posé certaines conditions si pour eux, rencontré avec institution. En tant que libération Abelson Gonel en côté de mon sens. Bon, les noms après des déclarations dans la presse, nous étonnés en pile et ça fait nous vivre même si c'est une blague parce que comment que membre de direction la police a bien été rencontré avec quelques membres d'un SPNH, c'est parce que mois d'avril là, ils étaient supposés payer tous les policiers, ils étaient supposés payer les policiers au chèque, parce que normalement, c'est dans le personnel qu'il y a pas dans Bazou ou bien dans commissariat qu'il y a qu'à chercher chèque dans la direction générale là, l'Elvina avec qui fait distribution.
Et bien, l'autre fait distribution policière, il n'y a pas de chèque. Il a déposé chèque, il y a une direction générale. Une direction générale, il a dit que sous l'autre DGA, il y a quelques chèques. Il n'y a pas de policier au rendez-vous. Et pour être capable de tourner lundi à 3h, et puis pour être capable de faire un chèque. Effectivement, c'est bien près de 60 policiers aux environs, qui étaient là, qui ont été des chèques. Là-dedans, ils ont été gagnés membres actifs SPNH 17, c'est gagné anciens membres SPNH 17 et membres adhérents SPNH 17. Et puis, ils ont fait un petit dialogue ensemble avec eux. Après, DCPJ était là, DGA était là, et l'Institution Générale était représentée. Donc, si j'avais été fait avec toi, il faut comprendre que si il y a un bagage que DCPJ reprochait dans la ville de recherche, il mettait derrière pour yo passer DCPJ à répondre à une question. Si c'est mandat pour aller à l'Institution Générale pour répondre à une question. Donc, il y a qu'un des chèques, il y a contraint les policiers, yo, chita avec eux. On comprend que c'est chèque que tu travailles pour eux, que tu es supposé bayol, il n'y a pas bayol. Et puis, yo Kembel, par la suite, nous avons dit que Yoshita avec membre SPNH. Donc, nous avons dit avec Roy Tamajor, là, que nous prenons acte de ça. Donc, si toutefois que Yota a une intention, vous voulez rencontrer avec SPNH 17, nous-mêmes, nous sommes ouverts au dialogue. Nous n'avons pas de problème pour nous, Chita, avec l'institution, pour nous résoudre une série de problèmes. Mais nous gagnons des exigences que nous faisons pour nous, Chita, avec Yo. Faudrait bien-il que yo lagué Abelson Gounek, que nous connaissons dans quelles conditions que arrêté Abelson Gounek. Et jusqu'à présent, hier, le jugement était supposé être bloqué. Et deuxièmement, pour rentrer tout avis de recherche avec mandat qui est déterminé contre Mamouyo, notamment Mamouyo, nous allons chita et comme des policiers qui libres, qui ont travail et des policiers syndiqués. Donc, si vous avez besoin de chita avec nous, c'est tout le bagage que vous pouvez faire. Pas chita avec membre de SPNH 17, vous avez chita avec quelques membres de SPNH 17 que vous avez des chèques. Vous connaissez ces chèques-là pour être capable de développer contre Yoshita, vous avez des chèques. Vous avez besoin de 2-3 graines de monde dans le SPNH 17, membre actif, membre et ancien membre et membre adhérent. Mais vous avez chita vraiment avec staff qui a dirigé le SPNH 17. Voilà, top côté pour parole SPNH 17 là, qui c'est de Monsen Sili même, qui démentit parole SPNH là, parole PNH là, qui fait qu'on est recommandant Chita Balé avec eux-mêmes dans SPNH 17, qui est les mêmes, t'as parlé là dans le micro, collaborateur nous, Romanes samedi. Pour parole en après PNH là, qui annonçait le recrutement pour une nouvelle promotion police nationale d'Haïti, d'après Marie-Michel Verrier, nouvelle promotion SAPG pour rentrer dans l'école nationale police là, 16 mai qui a venu là, pour commencer à prendre une formation. On suit un reportage sur ce dossier ça avec un collaborateur, non, José Belamour. 16 mai qui a venu là, c'est date qui prévoit pour une nouvelle promotion police entrer dans l'école nationale police là. Pièce yo qu'on a habité exigé pour inscription yo toujours kembe, mais fois ça, postulat yo a besoin yon lettre recommandation d'après porte-parole d'après PNH là, Marie-Michel Verrier. Lettre recommandation ça, il va signer par deux moun qui gen bon réputation dans zone ou bien dans localité, dans ville côté moun ça vivre là. Pendant toute transformation moun ça a passé à il y a gagné pour y a continuer processus vetting sur Monza et mon qui bail recommandation ça l'a capable bail explication sur Monza pour qui nouveau mesisa inspecteur divisionnaire a expliqué par rapport à qualité mon société nous a produit désormais pour yon mon rentrer dans la police non nous voulons que c'est un mon qui gagne bonne réputation nous pas qu'à faire n'importe mon rentrer dans la police non. Parce que nous garder la société nous là n'a descendre dans yon bafon nous pas qu'on côté n'a privé alors si pour yon mon fait partie la police là pour coulier là nous assurons que c'est un monde qui a un bon renommé. Gagne une nouvelle classe inspecteur qui est composée de 33 policiers différents grades qui prennent formation depuis la date de mai passé dans l'académie police. Là. Il y a bien pour travailler dans la tête collée avec l'instructeur qui a bien pour former une nouvelle promotion police. Josué Belamour, Radio Méga. 6h10. Merci, on se voit avec Josué Belamour pour le reportage. Si là, nous parlons avec collaborateur Alix Gauthier. Qui était présent dans la funéraille Patrick Sonmonto qui chantait samedi passé samedi matin dans l'église méthodiste Saint-Paul dans Port-au-Prince devant amis familiaux acteurs politiques y a une activité qui était débouché sous acte violence dans l'arrière côté plusieurs machines d'état passé en bas d'effet. Alex Gauthier a présenté un reportage. Famille, amis, militants, acteurs politiques pat ka kembe dlo nan je samedi matin sa nan l'église Saint-Paul pour rendre Patrick Sonmonto yon dernier hommage.
Tiblan Tatou te passé plus temps dans la rue à Souchan Masla, côté le tap mené bataille contre pouvoir, mais dit te gagne en famille, papal, madame, petite li qui t'est inconsolable. Yon cérémonie qui était chargée avec bouleversement à cause présence militaire qui était agitée, estomaquée façon yon perdit confrère bataille. Quand même, c'est le brin principal là, terre ici prêcher côté le décrit, situation tête chargée pays à trouver. Yon situation qui m'a dit, yon tête ensemble pour changer condition la vie. Nous demandons ce que chaque prophète de pays ça, tout le côté passant de pays à Kibaïka, son chaos qui a brûlé, c'est le monde qui a mouru, c'est le monde qui a parlé, je dis à mon tourner ma journée, mon tourner objet, c'est le côté, les gars décidé sur le souvenir, faut pas être amant, faut pas être séquent. Même s'il te fait partie opposition en général, mais dans le dernier moment, Tiblan te rejoint parti politique Haïti en action. L'idée AAA, Yuri la Tortue, songe, bataille ça, qui tape bataille pour la vie meilleure pour tout le monde. Tiblan te plaît, on le il te dit que tu vas venir dans le pays qui t'aime garder le président. Et ça fait le témoin de corps pour la police. Il te dit que tu vas venir dans le pays pour que tu vas venir dans le pays qui t'aime garder le président. C'est ça fait que tu vas chercher les moyens pour faire le président. Il te dit que tu vas venir dans l'État pour que famille qui t'aime garder le président. C'est le pays qui t'aime garder. Et là, on a pu vivre, c'est pas. Même position hein, pour André Michel qui songe qualité engagement Tiblan te prend dans bataille là malgré jeune l'âge li. Monter dans téléphone avec sénateur Kassi parce que beaucoup de nouvelles là. Il dit nous une photo sur Facebook là. T'assemblé c'est Tiblan Tatou. Le mal vérifié. Moi ouais c'est Tiblan Tatou. Pas bon menti, moi sentiment renversé. Parce que moi compte ça nous perdu nous-mêmes dans le secteur démocratique là. Moi compte qui sa bataille a perdu. Tiblan Tatou c'est pas ton petit militant petit, son militant solide avec en pile conviction. Il pas jambal. Ça fait la peine en pile. Porte-parole secteur démocratique et populaire, bay garanti, y a continué bataille pour rêve de même meilleur Tiblan, réaliser et faciliter le joint justice comme ça doit. Même gens monde qui assassiné bâtonnier d'Orval et Vlin sincère, pour se tirer à juger. Même gens monde qui touillé, militaire dans manifestation à juger. Monde qui assassiné Tiblan Tatou, bonjour, comme aujourd'hui, y a jugé. Bataille là, a continué. N'a pas signalé, après funérailles là, militaire ont pris la rue avec ce là, passé dans divers coins de Port-au-Prince, passé dans base li sous Chan Masla, avant, yo al kondil dans cimetière Port-au-Prince, côté Koa Tal déposé. N'a pas rappelé, il y a piti, deux machines l'État qui boulaient dans le passage. Alex Gauthier, Radio Mega. Merci en pile Alex Gauthier, mais n'a pas dit tout pendant un bien funérailles là, tout est un gros incident qui est passé sous Chan Masla. On comprend qu'il y a plusieurs machines dans le service l'État qui est passé en bas gros flamme diffé. Mes amis, j'en note dit déjà dans le titre journal là, bonne nouvelle pour compatriotes haïtiens, surtout jeunes, formes jeunes garçons, cap étudiants, République dominicaine qui gagne statut étudiant. Mais très bonne nouvelle pour eux, côté autorité dominicaine eux-mêmes, eh bien, décider là, permettre que étudiants haïtiens, yo, joignent, bénéficient de leur visa, et spécial, un visa, pour yo capable gain accès à étudier sans problème. Désormais étudiant haïtien plus dominicain n'ont pas besoin l'argent pour gagner un visa compatriote ça va bénéficier un visa spécial mais yo pas payer yon goud pour ça. Et finalement Calvin jeune université haïtien plus dominicain yo censé dire fini ou bien prêt à fini et désormais yo pral bénéficier ça nous yon un visa étudiant. Pour nous dire bien information ça li est confirmé bon côté ambassade Haïti en République dominicaine ça veut dire côté que nous avons ambassade New York en République dominicaine dans consulat tout bien ambassade Haïti en République dominicaine li et ça lié et compatriotes étudiants yo qui en République dominicaine et li pote très bonne nouvelle ça pour yo pour faire connaître demande un visa étudiant que yo même en République dominicaine qui a besoin li approuvé bon côté autorité dominicaine yo dans cadre d'une entente qui yo joine entre autorité
dominicaine avec autorité haïtienne dans date qui était 3 mai 2021 passé à là, mais côté autorité haïtienne avec autorité dominicaine yo tout établi ça relé un processus spécial pour capable régulariser statut migratoire étudiant haïtien ça yo à partir jeudi lundi qui s'est dit mai arrivé jusqu'à vendredi 14 mai il a commencé faire ça relé livraison visa chaque semaine mais il a pris parti comme ça il a pris parti avec un premier stock cap 100 et visa il a ben avec étudiant jeune étudiant yo qui a nan niveau ambassade ça veut dire ambassade de la Bondi bien République dominicaine et 150 lots et visa dans niveau consulat général Haïti en Santiago. C'est